Salut à tous, c'est avec le coach Galaga Musique. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait bien 3 semaines, oui, que j'avais rien posté. Je bossais sur d'autres projets, ne vous inquiétez pas, jamais de quoi m'ennuyer. Et donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous expliquer comment faire deux rythmiques reggae spécialement acoustiques qui fonctionneront sur la quasi-totalité du style. Donc vous les choisirez surtout en fonction de la vitesse des morceaux, mais que ce soit du Bob Marley, de l'Alpha Blondie ou encore du trio, ça fonctionnera très bien. Et puis comme vous pourrez le constater, oui, j'ai une nouvelle guitare, et oui, il s'agit encore une fois d'une Lava, mais ce coup-ci, la Lava Mi 3, voilà, qui m'a envoyé vraiment en avant-première. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui spécialement de manière acoustique pour vous montrer un petit peu comment elle sonne, et je vous ferai une review beaucoup plus complète, je pense, la semaine prochaine. Allez déjà, je me rapproche et je vous montre comment interpréter ces deux rythmiques. Alors, rythmique numéro 1, ça va donner ceci. Je prends un accord de La mineur, j'aurais pu mettre n'importe quel autre, ça aurait bien fait l'affaire aussi. Ça va sonner comme ça. 3, 4. Alors, comment je fais ça? Pour choper cette rythmique, on va déjà bloquer les cordes à la main gauche. D'accord? Vous vérifiez que vous avez bien que un crin crin crin. Parfait. Ça va donner ça. Donc, premier temps, c'est une noire, on va gratter le gros mi tout seul. Ouais, vous avez fait un quart du boulot. Bravo. Dès qu'on a fait ça, on va faire un aller-retour avec des croches dites shuffle, des croches ternaires. C'est ce qu'on va trouver le plus souvent. Et vous allez faire ça. Bas. Je vous enchaîne donc la noire et les deux croches d'affilée. 3, 4 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Bon, d'accord. Donc ça, c'était les deux premiers temps. Sur le troisième temps, après que j'ai fait mes deux croches comme ça, je vais taper sur la caisse. Alors là, vous faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez taper avec ces trois doigts-là, vous pouvez taper qu'avec un, le petit, pourquoi pas. Les trois doigts-là, l'avantage, c'est que ça fait une percussion assez audible. Et dès que vous avez fait ça, vous allez faire une remontée, toujours en croche shuffle. Donc là, on a fait 3 temps sur 4, ça va donner ça. Noir, 2, croche. One again. Noir, 2, croche. Encore. 1, 2 et 3. Dernière, 1, 2 et 3. Le dernier temps, ça va être de refaire un aller-retour en croche et on a terminé. Je vous refais la formule complète. 1 et 2 et 3 et 4 et... Un peu moins vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Quand je fais mes allers-retours en croche comme ça, je ne cherche pas forcément à tout regratter les 6. Hein, je peux en gratter que les 4 dernières, à la limite, ça marcherait très bien aussi. Donc quand je fais le retour, je ne cherche pas à tout gratter non plus. Hein. Je fais un espèce de petit coup comme ça vers l'extérieur. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir une attaque qui soit trop massive. Donc une dernière fois, pas vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Ok, donc ça vous le faites tourner déjà pendant, je sais pas moi, 2-3 minutes, voire 5 ou 10 si vous êtes chaud bouillant, et de manière à ce que la main droite n'ait plus trop besoin d'y réfléchir. Ensuite, on va se placer donc sur un La mineur. Je barre en 5e case, j'appuie sur 7 et 7 des cordes de La et Ré. Bon. Donc j'appuie bien mon accord là-bas, je gratte ma basse, tout va bien. Et là, je vais faire mon aller-retour, donc mes deux croches, et je vais piquer 2 fois de suite à la main gauche. Piquer, ça veut dire j'appuie et j'enlève le poids tout de suite. Donc la main elle va passer son temps à faire cric, 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 cric. Alors, les deux premiers temps vont donner ça. Noir, pic, pic. Encore. Noir, pic, pic. Vous voyez, il faut que ça fasse vraiment pic, pic. Très, très. Plus c'est sec, plus c'est réussi. Faut pas que ça fasse genre... Non, c'est pas reggae, hein. C'est vraiment... D'accord. Si je fais tourner en boucle ces deux temps, noir... Je rajoute la suite et fin. Noir, 2, croche, je tape sur la caisse, je fais la remontée sans réappuyer. D'accord? Et là, j'ai fini mon troisième temps. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Et je termine ensuite à nouveau par un aller-retour sur lequel je pique 2 fois. Pic, pic, fin. 3, 4 et 1. Terminé. 1 et 2
Dès que j'ai fait ça, je réappuie bien mon accord et je retape ma basse. Et vous faites tourner cette formule-là en boucle autant de fois que vous voulez. Alors pas vite du tout, 3 et 4 et 1 et 2, 3. Le fait de faire ce cring-cring, ça s'appelle du double skank. C'est le nom, voilà, double accord piqué, comme vous voulez. Donc si on jouait sur guitare électrique, on ferait uniquement ça d'ailleurs, on ferait uniquement... Les autres membres du groupe s'occupent de faire ce qui manque. Mais nous, en mode acoustique comme ça tout seul, c'est bien de pouvoir varier et d'obtenir à la fois le son de la basse, cette petite percue un peu, et à nouveau, l'aller-retour piqué, voilà. Voilà, c'était la rythmique numéro 1, je vous le remontre un petit coup de loin. 2, 3, 4, et 1, et 2, 3, et 4, et 1, et 2, 3. Le seul truc qui change quand vous changez d'accord, si votre fondamental se trouve sur le gros mi, bah, y a pas de problème. Si vous faites un accord de Do majeur, le premier temps, au lieu de gratter le gros mi, vous gratterez l'accord de La. Hein. Donc là, on a utilisé le modèle shuffle, c'est-à-dire les croches qui faisaient 1 et 2 et voilà, comme on a vu avant. Il peut arriver également que les croches ne soient pas shuffle dans le reggae, notamment dans les morceaux comme Stirry Up, par exemple, de Bob Marley. Dans ce cas-là, au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et, on va trouver un découpage de main droite hyper régulier sur les allers-retours. Donc genre 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 7 cette rythmique. Alors maintenant, rythmique numéro 2, qu'on entend vraiment sur les reggae qui sont beaucoup plus rapides, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Alors il va s'agir de 7 rythmiques pour les morceaux un peu plus speed. Comment je fais ça? Pareil, on va déjà bloquer les cordes à la main gauche, gring gring gring, et on va essayer de choper ceci. Premier temps, comme dans la rythmique précédente, on chope la basse. On est content. C'est une noire, parfait. Deuxième temps, on va gratter les cordes, c'est également une noire. Là, c'est pareil, j'ai pas besoin de tout regratter quand je fais ce deuxième temps. Je gratte bon, soit à partir de la corde de La, soit même à partir de la corde de Ré, ça marche très bien. Donc les deux premiers temps, c'est 1 et 2 et 1 et 2 et... Voilà. Et une fois que vous avez réussi à faire 1 et 2 et, vous allez de nouveau, comme tout à l'heure, tapez sur la caisse, moi j'utilise ces trois doigts-là le plus souvent, et vous allez ensuite remonter. Voilà, vous allez faire deux croches, quoi. Donc, 1 et 2 et 3 et, encore, 1 et 2 et 3 et. Et pour terminer, vous allez faire à la fin 4 et 2 allers-retours à nouveau en croche. Donc on a noir, noir, deux croches, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc là, les allers-retours, ils sont franchement binaires. Quand on va très vite comme ça, on ne le fait pas trop en shuffle. Hein. Vraiment, on reste binaire et ça fonctionne très bien. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. On se met un accord. On va passer, allez, sur un La majeur. Vraiment des fous. Donc là, vous allez faire ceci. Le premier temps, vous gardez l'appui du doigt. Donc 1 et... Le deuxième temps, je vais gratter mon accord et le piquer. Donc 1 et 2 et.
Encore. 1 et 2. Donc là, c'est pareil. Je perds le poids des doigts dès que j'ai gratté les cordes du deuxième temps. Ensuite, la main gauche n'appuie toujours pas. Je fais ma petite percussion, ce que j'appelle tape là sur la partage. Je fais ma remontée avec les notes toujours bloquées. Et j'ai fait les trois quarts du truc. 1 et 2 et 3 et. 1 et 2 et 3 et. 1 et 2 et 3 et. Et pour le dernier temps, on faisait un aller-retour. Le coup vers le bas, il est piqué à nouveau. Et la remontée, vous ne réappuyez pas, vous faites entendre des dead notes. Donc le dernier temps, c'est... Je vous fais toute la mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 3. Imaginons que je doive me déplacer vers un autre accord, le Ré. Ma fondamentale, elle est sur la corde de La, ben, je tape cette corde en premier. Et après, je me déplace de case à droite, pourquoi pas. Alors, je vous fais cette séquence en boucle, de plus en plus vite. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 3, et 4, et 1, et 2. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bossez bien ces deux rythmiques. Et ensuite, vous prenez n'importe quel morceau reggae qui vous plaît. Regardez les accords sur internet ou dans un songbook. Et vous placez soit la rythmique 1, soit la rythmique 2. Et puis, ça fera la remichel. Allez, je vous laisse. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. Et puis, je vous donnerai très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt. Ciao.